Bienvenue sur ce deuxième cours sur hypnose et constructivisme. Déjà, avant de démarrer ce cours, je voulais remercier deux personnes qui m'ont aidé à préparer ce cours. Je voulais remercier en premier l'abbé Nicolas Duchaxel, qui lui, je ne sais pas s'il est dans une abbaye, mais du moins dans sa thèse de théologie, est en train de plancher sur le constructivisme, l'hypnose. Il s'est lui aussi formé en hypnose ericksonienne et il regarde un petit peu les liens sur la présence de techniques hypnotiques non constructivistes à travers le temps, notamment dans la scolastique. Et les échanges avec Nicolas m'ont été très utiles pour construire la suite du cours. Et je voulais aussi remercier Jean Dupré, qui est formateur de l'Arche, que la plupart d'entre vous connaissent, et qui est directeur de l'Arche à Nice. Et on a eu un petit échange, en fait, Jean et moi, sur le contenu de ce cours la semaine dernière. Et là aussi, il y a quelques points de vue et quelques articulations dans nos différents points de vue qui m'ont été très utiles, en fait, pour préparer ce cours. Voilà, les remerciements étant faits, j'ai donc choisi pour continuer ce cours sur hypnose et constructivisme la question des structures de la subjectivité et de leurs implications dans l'accompagnement. Des mots qui, pour l'instant, a priori, ne font pas plus sens que ceux que j'ai utilisés juste avant, mais justement, on va essayer de regarder un peu qu'est-ce que pourraient être ces différentes structures de la subjectivité. Comme tu me le disais, Clément, structure, tant qu'on ne l'a pas définie, bah, c'est un mot valise dans lequel on met un peu n'importe quoi. Et je voudrais vous présenter ça ce soir en trois parties. Dans un premier temps, regardez comment est-ce qu'on peut distinguer trois types de structures, entre guillemets, de notre subjectivité, les grilles de lecture, les types psychologiques et les stades de développement. Dans un deuxième temps, je vous proposerai de regarder comment est-ce qu'on peut distinguer trois types de regards ou trois types de méthodes complémentaires qui sont la phénoménologie, dont on a déjà pas mal parlé, l'herméneutique, dont on a parlé l'année dernière, et le structuralisme. Alors rassurez-vous, on va décrire ces termes pour pouvoir voir comment en fait ces termes regroupent des choses que nous pratiquons, mais qui des fois nous paraissent un peu confuses parce qu'on n'arrive pas bien à voir où elles se distinguent les unes des autres. C'est donc pour cela que dans les deux premiers chapitres, j'ai proposé de distinguer quelques phénomènes les uns des autres. Et puis enfin, dans une troisième partie, je vous présenterai brièvement quelques points de vue sur comment finalement notre conclusion sur ces deux cours, sur l'hypnose, sur les types d'hypnose et le constructivisme, nous ramène à l'idée fondamentale d'adapter l'accompagnement à l'accompagné. Vous êtes prêts ? Donc dans un premier temps, regardons, je fais attention à l'heure, dans un premier temps, regardons comment on peut distinguer les grilles de lecture, les types psychologiques et les stades de développement. Pourquoi ? Parce que les approches constructivistes, je vous le rappelle, on l'avait vu au premier cours, les approches constructivistes, elles rejettent les grilles de lecture, elles les rejettent comme étant des outils réalistes, des outils qui pourraient nous permettre de faire une analyse causale, donc trouver la cause d'une thématique ou d'une problématique amenée par un client, et une analyse qui nous montrerait que ces grilles de lecture sont réalistes. Et dans le premier cours, ce n'est qu'un rappel du premier cours, nous avions pris le temps de distinguer une approche réaliste d'une approche constructiviste. Donc, les approches constructivistes vont rejeter par défaut les différentes grilles de lecture comme étant réalistes. Conséquence ? Eh bien, on va se couper de toutes les approches causales, donc de toutes les approches qui cherchent une cause, et de toutes les herméneutiques. Je décrirai ce terme un peu plus tout à l'heure. Deuxième conséquence, on va donc rejeter non seulement les approches causales, mais aussi les approches structurelles. On peut distinguer ici le fait de chercher une cause à une problématique ou la structure dans laquelle se déploie une problématique. Rejet des approches structurelles comme les grilles de lecture biographiques et structurelles. Toutes les tentatives de typification psychologique qui vont donc nous montrer d'éventuels types psychologiques et toute contextualisation d'une problématique par des stades de développement. Autrement dit, en rejetant les grilles de lecture, le constructivisme a rejeté non seulement les grilles de lecture, mais aussi les tentatives de typification psychologique et les analyses par stade de développement. Alors, on peut voir à partir de ça des mécanismes assez radicaux, et on avait parlé il y a un mois d'un constructivisme radical. D'une part, là où le constructivisme à la base proposait une prudence sur les outils, on voit une radicalité qui va avoir tendance à nier ces outils, à les exclure et à en nier la réalité. Et là où on proposait tout simplement de ne pas trop adhérer à ces outils comme étant réels, on voit une radicalisation qui va nier l'utilité de ces outils. Autrement dit,
À la base, on disait, attention avec les grilles de lecture, les types psychologiques, les stades de développement, prudence et n'y adhérons pas trop. Et si on y adhère, prenons un peu de recul. Et on en est arrivé à dire, ces outils, ils sont invalides et ils sont inutiles. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu de souplesse sur ça. Au contraire, l'intérêt général de ces différents types d'outils, des grilles de lecture, des types psychologiques, des stades de développement, eh bien, ils permettent de s'adapter de manière vraiment très précise à certains accompagnements, certains outils pour certains accompagnements, et ils vont favoriser des accompagnements qui vont être efficaces, donc efficients, et qui vont être brèves. Nous sommes ici toujours dans l'idée d'accompagnement de durée brève. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout d'abord, il s'agit de quelque chose qui est confus, parce que quand on commence à aborder ces trois outils, grille, type, stade, on a tendance à avoir l'impression qu'il s'agit toujours de la même chose. Et c'est une des critiques qu'on peut faire au constructivisme, c'est que, en rejetant ces outils comme un tout, ils nous empêchent de voir comment ils sont différents les uns des autres. Ce sont des outils qui remplissent des fonctions qui sont différentes en accompagnement, je vais vous montrer lesquelles, et ce sont des outils qui sont complémentaires. Alors si on résume ces trois notions, pour essayer de les présenter brièvement et très succinctement, les grilles de lecture, c'est l'interprétation que j'ai de mon expérience subjective. Il se passe quelque chose pour moi et je l'interprète. J'ai donc une grille de lecture, une grille d'analyse pour l'interpréter. Les types psychologiques, c'est la façon dont je vais colorer l'expérience subjective. Comment est-ce que ce que je perçois du monde est filtré par un type particulier qui est le mien ? Ici, on n'est pas dans l'interprétation, on est plutôt dans la sélection d'informations et le déploiement de types de réactions. Et enfin, les stades de développement, eh bien, c'est l'évolution de l'expérience subjective. Cette expérience, elle n'est pas figée dans le temps, elle a différents niveaux qui vont évoluer dans le temps. Des grilles de lecture comme interprétation de l'expérience, des types psychologiques comme coloration de l'expérience, des stades de développement comme évolution de l'expérience. Clair ? Si à un moment, ce n'est pas clair, dites-moi. Et on va les regarder un par un. Alors les grilles de lecture en accompagnement, on en a déjà parlé il y a un mois. Ça peut être une analyse causale, rechercher la cause, ou une analyse structurelle, essayer de regarder comment se structure eh bien, le fonctionnement de l'individu, son identité, son comportement, etc. Pour les critiques du constructivisme sur les grilles de lecture, je vous renvoie au cours précédent. On avait parlé notamment du principe de conformation-confirmation chez Thierry Melchior. Mais il y a aussi un certain intérêt à ces grilles de lecture. Alors, je vous en ai juste mis deux ou trois pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, rappelons-nous que les grilles de lecture, c'est la base des approches dites interactionnistes et systémiques. Et on avait montré que ça, c'est le travail du début de l'école de Palo Alto avec Don Jackson, Milton Erickson, Virginia Satir, etc. Et puis, ces grilles de lecture, eh bien, elles construisent la représentation de soi et elles construisent la représentation du monde. Donc peut-être que ça peut être intéressant à un moment en accompagnement de tenir compte de comment se sont construits la représentation de soi et la représentation du monde. Et ici, on pourrait distinguer deux types de grilles de lecture. Il y a la grille de lecture que porte le client vis-à-vis de lui-même. Il interprète son expérience d'une certaine façon. Il a ses propres grilles de lecture. Et puis, il y a les grilles de lecture potentielles, en tout cas du praticien, qui lui peut interpréter ce que lui dit le client d'une certaine façon. Clair pour la distinction entre les deux ? C'est pas parce que le praticien, il interprète l'expérience du client d'une certaine façon qu'il est obligé de projeter et de le lui dire. Et de la même façon, c'est pas parce que le praticien ne projette pas que pour autant, il n'a pas à l'intérieur de lui certaines grilles de lecture qui lui font eh bien, avoir des hypothèses sur ce qui est en train de se passer. Alors, dire qu'on ne projette pas, c'est une chose. Dire qu'on nie, en tant que praticien, avoir aucune grille de lecture, eh bien, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on se crée des zones aveugles et qu'on ne se rend pas compte, justement, qu'on porte des grilles de lecture et que les portant sans les percevoir, peut-être que c'est là qu'on va les projeter. Alors, brièvement, ces grilles de lecture, eh bien, on peut les voir de deux manières, comme quelque chose qui est appris et hérité depuis l'environnement social. Et là, évidemment, on va retrouver toute la grande tradition psychanalytique, du moins du point de départ de la psychanalyse, avec Freud, Ferenczi, Winnicott, Melanie Klein, etc., dont on a déjà parlé ici. Et puis aussi, on peut voir ces structures subjectives analytiques, causales, structurelles,
ces structures subjectives comme des introjections particulières, des introjections de champ, des introjections de rôle, des introjections de patterns comportementaux, de patterns réactionnels. Et là, on va retrouver eh bien, toute la tradition des ego states, toute la tradition des archétypes, toute la tradition qui travaille avec les champs, etc. Donc ici, on a la psychologie analytique chez Jung, on va avoir tout ce qui est multiplicité interne avec le travail de Paul Federn, le travail des Watkins, et puis tout le travail un peu structurel, comme on le retrouve par exemple chez Eric Byrne, et les théories des champs développées par Perls et Goodman. Et tous ces auteurs-là, eh bien, si vous les regardez comme cette liste, tous ces auteurs-là, en fait, on en a déjà parlé ici en hypnologie. Et ce que je vous propose avec ce regard-là, c'est d'avoir un regard transversal pour voir comment toutes ces façons de regarder l'accompagnement sont des grilles de lecture particulières. Alors évidemment, on peut nier cela et dire on fait comme si ça n'existait pas et on ne veut pas en entendre parler, mais peut-être, peut-être que parfois en accompagnement, on a besoin de tenir compte de tout ça. Voilà pour les grilles de lecture, je laisse le sujet de côté. Les typifications psychologiques, là c'est autre chose. Il s'agit de tentatives de faire des classifications psychologiques des êtres humains en fonction de différents types. Alors, selon différents critères, par exemple, selon leur façon d'être, selon leur façon de faire, selon leur façon de percevoir le monde, selon leur façon de réagir face au monde ou face à autrui, selon leur façon de métaboliser des informations, voire même selon leur morphologie, selon leur façon de sélectionner de l'information de manière prioritaire, etc. Des tentatives de classification psychologique des êtres pour dire, eh bien, il y a tel type, tel type, tel type, et vous, monsieur, oui, vous êtes dans la classe numéro 1. Une façon de travailler dont, dans les pratiques constructivistes et les pratiques hypnotiques, on se méfie beaucoup, pour ne pas enfermer une personne dans une catégorie. Néanmoins, aujourd'hui, on va essayer de regarder à quoi est-ce que ça pourrait nous servir. Alors, l'intérêt en accompagnement, c'est que ça peut nous faire un outil de repérage de ce qui se passe sur le client et de ce qui se passe pour la description qu'il nous fait de sa problématique et de sa thématique. Un outil de repérage des vécus et des actions, alors on pourrait dire un outil diagnostique, mais en général, on fait un peu attention sur ce terme. Un autre intérêt, eh bien, c'est que ça va nous permettre de détecter comment s'adapter à cette personne particulière. Adaptation de la posture de l'accompagnant et adaptation du type d'accompagnement pour un type de client. Alors bien sûr, les risques en accompagnement avec des typifications psychologiques, ils sont assez évidents. Le premier risque, eh bien, c'est d'enfermer un individu dans un type auquel il va progressivement s'identifier. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, le client met le praticien en position d'autorité. Même si dans les pratiques hypnotiques, on essaye de se défaire au maximum de cela en adoptant une posture particulière, ce qu'on appelle position basse, néanmoins, le client a tendance à mettre le praticien en posture d'autorité et donc à prendre pour argent comptant ce que le praticien pourra lui raconter. Donc le plus gros risque, c'est d'enfermer un individu dans un type et d'amener progressivement, involontairement, le client à s'identifier à ce type, ce qui peut faire encore plus de dégâts que d'amener de solutions. Mais il y a un autre risque, c'est un risque si on nie le fait qu'il peut y avoir des typifications psychologiques. Si on fait ça, on va nier la spécificité d'un individu par rapport aux autres individus. On va alors avoir de manière insidieuse une tendance à la normalisation des individus, ce qui ferait une posture de type. Il n'y a pas de type psychologique. Tout le monde est égal et tout le monde est pareil en soi de manière potentielle. Donc, on est en train de normaliser les individus. Et on est en train de nier des spécificités d'individus. Alors, je vous donne un exemple. Ça nous amènerait à dire quelque chose comme « Quoi que vous soyez maintenant, vous pouvez tout être et vous pouvez tout changer. » Voilà, donc ça fait sourire quelques personnes dans la salle. Mais c'est sur ça que ça pourrait nous amener si, de manière un peu trop extrême, on nie toute typification psychologique. Alors, on peut faire une analogie avec la morphologie. En effet, un corps humain, dans le temps, ça peut changer. Mais il y a quand même des types morphologiques, voilà, si je regarde dans la salle, entre Grégory et Adrien, par exemple, moi, je peux me tromper, mais je serais surpris que dans votre évolution, vous inversiez en fait, vos types morphologiques. Ouais, je suis preneur. Je vais galérer. Peut-être que c'est possible, mais on peut voir ici que nier toute typification psychologique, ça nous amènerait à faire des promesses implicites de changement qui sont utopiques.
de dire à quelqu'un « Mais oui, vous pouvez transformer votre terrain psychologique parce qu'il n'y a aucune typification. Donc, tu peux devenir tout ce que tu veux, tu peux changer tout ce que tu veux. » Et eh bien, ça nous ramène à ce qu'on a vu dans le premier cours sur le fameux syndrome d'utopie et les ravages que ça peut faire d'avoir un praticien qui ne se rend même plus compte à quel point il est en position haute et qui commence à dire à son accompagné « Tu peux devenir tout ce que tu souhaites devenir. » Un intérêt en accompagnement, un risque évident en accompagnement, mais un risque plus insidieux si on nie toute typification psychologique dans nos accompagnements. Alors, je vous fais un petit panorama rapide des typifications psychologiques. La première que j'ai retrouvée, c'est celle d'Hippocrate, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 5e siècle avant notre ère. Il y a quatre types chez Hippocrate, alors, je ne les ai plus trop en tête. Il y a sanguin, nerveux, lymphatique, et bileux, voilà. Donc, ce sont avant tout des types de morphologie et qui varient selon ce qu'il appelle des humeurs. Donc, on va laisser de côté Hippocrate, ce n'est pas vraiment le propos pour aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer que ce n'est quand même pas nouveau, en fait, cette idée. Mais on a beaucoup plus d'informations à partir du début du XXe siècle, notamment avec les types psychologiques de Carl Gustav Jung. Encore Jung. Mais c'est comme ça. Historiquement, dans la psychologie occidentale, c'est le premier à nous avoir montré des types psychologiques. Et lui, il va montrer des types à partir de la façon dont on est en rapport avec le monde, de la façon dont on prend de l'information du monde et qu'on en a une réaction, de la fonction dominante, donc ici il s'agit plutôt de est-ce que j'essaye de contrôler le monde ou est-ce que j'essaye de m'adapter au monde, et du type de rapport à l'action, on pourrait dire ici c'est les décisions qui motivent l'action, est-ce qu'on se base sur du rationnel ou de l'irrationnel. Et à partir de ces quatre paramètres, Jung va montrer, si ma mémoire est bonne, Jung va montrer 8 types. Et puis, il y a deux autres auteurs, Meyer et Briggs, qui en 1944 reprennent le travail de Jung, vont le peaufiner un petit peu, ils vont rajouter une dernière catégorie et ils vont en définir 16 types. Donc, c'est le MBTI, excusez mon accent, le Meyer-Briggs Type Indicator. Ça passe? Ouais, c'est vrai? Où là, on va voir 16 types, 16 façons d'être qu'on peut différencier les unes des autres. On est là en 1944. En parallèle, pendant ce temps-là, on voit la tradition de l'énéagramme qui se profile en Occident. C'est une tradition qui vient... Le premier en Occident à nous la proposer, c'est Gurdjieff. Et puis, Gurdjieff enseigne sur ça de manière orale en 1916. Et puis après, il y a Oscar Iscaso en 1969, puis Claudio Naranjo en 1987, Stephen Wolinsky en 1994, qui vont retravailler ce modèle, le peaufiner, le décrire de plus en plus et contribuer à le faire rentrer dans la psychologie occidentale. Ici, il s'agit non pas de 16 types, mais de 9 types qui vont être selon, eh bien selon beaucoup de choses, mais si on réduit l'idée. 9 types selon les types de besoins, de motivation à l'action et d'évitement et les types de réactions émotionnelles et de systèmes de défense. Et ça, on en a déjà parlé dans le cours de 2017 sur la construction de l'identité, où notre ami Antoine et moi-même nous avions présenté le point de vue de Wolinsky qui utilise ce système en 9 types. Et on reparlera de ça certainement dans les modules de cours de l'année 2019-2020. C'est pour dans 2 ans, quoi. D'autres types de typification psychologique, eh bien celle de Reich et Lowen, la typologie caractérielle, et je vous avais présenté ça dans le cours sur, sur l'expérience subjective du corps. Ici, il y a 5 types de tendances, je ne vais pas les décrire, qui dépendent de la relation à autrui, des tendances émotionnelles et de ce que Reich et Lowen appellent la circulation de l'énergie, tout un rapport au corps avec les types de contractions musculaires, les types de respiration, etc. Un autre modèle de typification psychologique que j'ai déjà présenté ici, c'était il y a 2 ans dans le module Un esprit dialogique dans la psychologie occidentale, les postures de réaction au stress ou postures de survie chez Virginia Satir, c'est en 1972. 4 modes de réaction au stress selon eh bien, le type de stratégie face au stress, le type de ressenti et de somatisation, et encore une fois, le type de relation à soi-même, au monde et au contexte. D'autres types de typification psychologique, eh bien, vous la connaissez bien, celle du DSM-5, avec différentes catégorisations de traits réactionnels en fonction de psychopathologie. Et enfin, les métaprogrammes de la PNL. Une typification psychologique, c'est une question. Eh bien non, les métaprogrammes de la PNL ne sont pas censés être des typifications psychologiques.
Les métaprogrammes de la PNL sont censés être des traits psychologiques relatifs à un contexte particulier, et uniquement relatifs à un contexte particulier. Mais, parfois, dans des écoles de PNL, dans des écoles d'hypnose, on voit les praticiens se mettre à faire des typifications psychologiques avec les métaprogrammes. Le risque ici, c'est d'utiliser les métaprogrammes de la PNL comme substitut aux typifications psychologiques. Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais je vais le préciser. C'est un peu comme si l'être humain ne peut pas s'empêcher de faire de la typification psychologique. Il regarde les autres êtres humains autour de lui et se dit, lui, il est plutôt catégorie 1 et lui, il est plutôt catégorie pas 1. Et quand on nie les typifications psychologiques et qu'on est dans l'accompagnement de l'individu, accompagnement thérapeutique ou non thérapeutique, il y a une tendance naturelle à la typification qui revient. Et je pense que c'est un point important, j'aurais peut-être dû le rédiger comme ça. Si on essaye de faire violence contre soi et qu'on nie les typifications psychologiques, alors insidieusement, on se remet à en créer, mais peut-être pas avec les bons outils. Et je voulais faire un point sur ça, et un point que j'ai validé avec le reste de l'équipe hypnologie. Non, les métaprogrammes de la PNL ne sont pas prévus pour faire de la typification psychologique. Ça, c'est un bon moyen d'enfermer un individu dans quelque chose, d'enfermer le regard que je peux avoir sur l'individu dans quelque chose, et de le projeter sur lui sans m'en rendre compte, et donc d'enfermer l'individu dans quelque chose. Beware, autrement dit. Ça, j'avais déjà dit, je crois. Voilà pour les typifications psychologiques. On va donc regarder le troisième outil. Pour rappel, trois outils à distinguer. Les grilles de lecture, la façon dont on interprète. Les typifications psychologiques, comment l'expérience est colorée par quelque chose. Et enfin, les stades de développement, comment l'expérience subjective évolue dans le temps. Alors, ici, il s'agit, les stades de développement, il s'agit d'étapes dans le développement de différents aspects d'un individu. Je vais vous le redire. L'individu, dans le temps, il évolue, mais il y a plusieurs aspects qui évoluent. Peut-être pas tous en même temps. Et l'évolution de ces aspects d'un individu, elle a différents types d'étapes. C'est ce qu'on appelle ici des stades de développement. L'intérêt en accompagnement, à nouveau, un outil de repérage, notamment un outil de repérage dans la construction de l'identité de l'individu. Où en est l'individu dans la construction de son identité maintenant ? Eh bien, les stades de développement peuvent avoir des repères pour y répondre. Un outil de repérage pour la temporalité des clivages de l'individu. Souvent ici, on parle de clivage, on parle de dissociation, on parle de ego states en conflit, etc. Et on l'avait vu dans le cours sur les compositions temporelles de je, eh bien, parfois, ces différents aspects de l'individu, ils ne sont pas dans la même temporalité. Par exemple, il y a le moi adulte et puis un moi régressé. Les stades de développement permettent de nous repérer sur où en est l'individu, sur quels paramètres dans le temps, s'il a plusieurs aspects de lui en clivage. C'est un petit peu complexe de le dire comme ça, mais voilà, je vous renvoie aux différents cours précédents pour comprendre un petit peu mieux cette notion. Un outil de calibration des micro-régressions spontanées du client. Alors ça, c'est quand on est en accompagnement et qu'on pose une question à un client et que d'un seul coup, sa posture régresse. Le ton de voix change, le champ sémantique change, les associations d'idées changent. Et là, on a une régression spontanée. Furtive, c'est pour ça que je propose le terme micro-régression spontanée, mais ça peut nous permettre d'avoir un repère et juste d'étayer quelques hypothèses en se disant « Ok, moi, praticien, j'ai posé cette question et là, ça a changé de stade de développement. Je ne sais pas quoi faire de ça, mais j'ai observé ça. » C'est un outil de calibration, d'observation. Et enfin, évidemment, un outil de repérage du contexte d'évolution du client. Est-ce que le contexte dans lequel il est lui permet aujourd'hui d'évoluer ou est-ce que ça ne lui permet pas d'évoluer? Et du coup, est-ce que le contexte est à questionner? Voilà quelques intérêts des stades de développement en accompagnement. Maintenant, deux types de risques. Le risque en accompagnement, évidemment, le premier, c'est d'enfermer le client dans une vision développementale et d'avoir les stades de développement comme grille de lecture. Là, c'est un peu terrible, mais ça nous amènerait à dire à un client « Oh, il y a quelque chose dans votre évolution où vous n'en êtes pas encore au stade numéro 42. » Ah, et ça va prendre du temps, vous savez. Voilà comment on pourrait enfermer un client dans quelque chose. Alors, je vois certains d'entre vous que ça fait bondir, mais malheureusement, dans certaines pratiques, on voit des individus faire ça, malheureusement. Deuxième risque en accompagnement, confondre les stades de développement avec les grilles de lecture. Donc, confondre comment la personne évolue avec le fait qu'elle interprète son expérience. Parce que l'interprétation de l'expérience, la grille de lecture, elle aussi, elle va évoluer dans le temps.
Et vous voyez, là, on pourrait commencer à tout confondre, à se dire, mais je ne comprends plus rien. Comment se distinguent les outils? Eh bien, je vous le redis, c'est très simple. La grille de lecture, c'est la façon dont on interprète le monde. Et le stade de développement, c'est comment l'expérience évolue dans le temps. Vous voyez comment on peut vite confondre les deux? Ouais? OK. Et enfin, avec les stades de développement, on peut confondre les approches causales et les approches structurelles. On peut confondre, identifier la cause d'une problématique ou d'une thématique et identifier la structure de comment se crée au présent une problématique ou une thématique. Maintenant, regardons quand même quels sont les risques si on nie l'existence de tout stade de développement, ce serait une posture constructiviste très extrémiste. Si on nie le fait qu'il y a des stades de développement, eh bien déjà, on va nier le fait que le client, ce client, il a eu une évolution qui lui est spécifique. C'est son évolution à lui. Et sur certains paramètres, aujourd'hui, il en est là. Là encore, on aurait tendance à dire dans ce cas-là, il n'y a pas de stade de développement et donc il n'y a pas d'évolution des différents aspects de la personne. C'est un peu bizarre, non, comme posture. Si on nie tout stade de développement, en tant que praticien, on va avoir une grande incapacité à s'adapter aux clients qui ne sont pas à notre niveau de développement. Je prends un exemple. Imaginons par exemple qu'il y ait des niveaux de développement au niveau relationnel. Et moi, je suis à un niveau de développement plus avancé, entre guillemets, que mon client au niveau relationnel. Inconsciemment, j'essaye de me mettre en relation avec lui, avec mon niveau de développement relationnel. Mais je ne m'en rends pas spécialement compte puisque je nie qu'il existe des stades de développement. Et je vais donc avoir mon client qui ne peut pas se mettre en relation avec moi sur ce mode relationnel et je ne pourrai pas m'adapter à lui puisque je ne comprendrai pas qu'il n'a pas l'évolution nécessaire pour se mettre dans le mode relationnel que par défaut, je suis en train de projeter sur mon client dans l'accompagnement. Vous voulez que je vous le refasse ou c'est clair? C'est un exemple. Si j'avais écrit un exemple, j'aurais pu en prendre un peut-être un peu moins complexe, mais je vous invite à en prendre quelques-uns. Pour ceux d'entre vous qui sont praticiens déjà, en tout cas, qu'est-ce qui, dans mon accompagnement, pourrait être un décalage entre le client et moi sur peut-être un décalage de niveau d'évolution? Je vous prends un exemple beaucoup plus simple. Si vous travaillez avec un enfant de 8 ans, il y a des thématiques sur lesquelles vous ne l'amenez pas, il y a des questions que vous ne lui posez pas, et il y a des tournures de phrases que vous n'utilisez pas. Claire ? Mais ça peut être tort. Vous pouvez aussi être un jeune praticien de 35 ans et travailler avec une personne de 70 ans qui vous explique des trucs que vous ne comprendrez jamais, parce que vous ne pouvez pas être à son niveau d'évolution. Alors bien sûr, en théorie, on n'est pas censé vouloir comprendre pour l'autre. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je n'ai pas de réponse, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Quelques risques si on nie les stades de développement. Un panorama rapide des différents stades de développement. Alors, ce que je veux vous montrer, ce ne sont pas les stades de développement, mais plutôt plusieurs auteurs qui ont décrit différents types de stades de développement. Alors, bien sûr, on a le développement de l'enfant qu'on connaît bien dans la tradition psychanalytique avec le travail Freud, Mélanie Klein, Carl Abraham. Et ça, je laisse ça de côté pour aujourd'hui. Le travail de Henri Wallon en 1931, 6 stades de développement de 2 constructions de l'individu, la construction de l'intelligence et la construction de l'affectivité. Le travail de Jean Piaget en 1936, on en a déjà pas mal parlé dans les cours d'hypnologie, 4 stades de la construction de l'intelligence ou de la construction cognitive de l'enfant. De l'enfant, pourquoi? Parce que le dernier stade chez Piaget, le dernier stade de construction cognitive, c'est celui qu'après on garde pour le reste de la vie. Chez Erik Erikson, et on en a déjà parlé également en hypnologie, 8 stades de l'évolution de l'être, mais tout au long de la vie. Ici, il ne s'agit plus, par rapport aux auteurs précédents, ici, il ne s'agit plus de stades de développement seulement pendant l'enfance, mais de stades de développement pendant l'enfance et le reste de la vie adulte. Chez Lovinger, en 1976, 9 stades d'évolution de l'ego. Je n'ai pas regardé ce modèle en détail, mais je vous ai ramené ce modèle parce que c'est le premier qui est non linéaire. Lovinger va ramener l'idée qu'il y a différents aspects à différents stades. Que je peux, imaginons qu'il y ait 4 aspects différents, je peux être très évolué sur l'aspect numéro 1 et pas du tout sur l'aspect numéro 2. Et je vais préciser cette phrase parce que je sens dans la façon dont je le dis, ça pose question quand même. Il ne s'agit pas d'évolution avec quelque chose à atteindre. Hein. C'est pas ça. Hein.
C'est pas, il y a quelque chose au bout du truc où, sur tous les aspects, il faut évoluer pour atteindre quelque chose. C'est juste quelque chose qu'on peut observer, que dans le temps, ça se développe et ça se transforme. Il y a même certains types de modèles d'évolution qui sont plutôt circulaires. On voit que la fin, en fait, ramène au début. Ce n'est pas un chemin à parcourir avec quelque chose à accomplir. C'est clair ? Je ne l'avais pas précisé, donc. Chez Lovinger, on commence à voir l'idée qu'il y a différents aspects qui évoluent de manière non synchrone. Un aspect de moi peut avoir évolué rapidement, on peut être à un certain niveau d'évolution, tandis qu'un autre peut ne pas avoir encore évolué, et peut-être qu'il va faire un bond radical et dépasser le premier. Ça peut avoir l'air bête, ça peut avoir l'air évident, mais avant Lovinger, il n'y avait pas vraiment cette idée-là qu'un individu peut évoluer de manière non synchrone. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance, c'est un rappel, hein, depuis Ribot, depuis la fin du 19e siècle, on a tendance à considérer la psyché comme on considère le corps. Et de manière générale, on observe le corps comme étant quelque chose qui évolue de manière synchrone. Ensuite, on arrive au système de la spirale dynamique avec le travail de Claire Graves en 1974, développé par Beck et Cohen en 1996. Celui-là aussi, on en a déjà pas mal parlé en hypnologie. 8 stades de développement. Ici, il ne s'agit plus du développement de l'individu, mais du développement des systèmes de valeurs de l'individu et du développement des systèmes de valeurs du contexte social de l'individu, c'est-à-dire développement des systèmes de valeurs de la société dans laquelle est l'individu et de l'individu lui-même. 8 stades de développement des systèmes de valeurs, et c'est un thème vraiment important, et ça, on va le développer l'année prochaine, où on fera, je pense, 2 à 4 cours sur cette question-là. Et enfin, on en arrive aux points de vue les plus modernes sur la question des stades de développement, le travail de Ken Wimber avec la psychologie intégrale, une théorie unifiée du développement, où lui, il va prendre tous ces systèmes-là, et il va essayer de regarder comment ça marche si on les intègre les uns dans les autres. C'est pour ça qu'il propose une psychologie intégrale. En fait, on devrait l'appeler intégrative, je pense. Lui, il va proposer 9 stades de développement et un développement qui est non uniforme, donc un développement... Comment on peut dire ça autrement ? C'est comme chez Lovinger, en fait. Un développement qui est non synchrone, un développement non uniforme de différents aspects de l'individu dans différents niveaux. Et ça... on va longuement le développer aussi l'année prochaine. Les points de vue de Wilber, je vous fais une petite slide sur ça. Les points de vue de Wilber, ils sont intéressants parce qu'ils vont englober le constructivisme et ils vont le recontextualiser. Et il va montrer une grille où il y a différents niveaux de développement, dans différents stades de développement, ce qui nous donne une approche quasi situationniste de l'individu, où on pourrait presque avoir une carte en disant « Ok, il y a différents paramètres de la subjectivité, il y a différents niveaux de développement, où en est l'individu ?» Et jusqu'ici, bah, il s'en fout un peu l'individu de savoir où il en est. Il vit son expérience et il n'est pas venu pour demander une analyse et un relevé en fait, de où il en est sur différents aspects. Mais on peut mettre ce décodeur en lien avec la thématique qui l'amène en accompagnement ou la problématique qui l'amène en accompagnement et regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'évolution qui est la structure de base sur laquelle il demande cet accompagnement ? Est-ce que ça vous paraît clair ? Ça, c'est un point de vue qu'on développera longuement l'année prochaine, notamment parce que Wilber a montré une adéquation extrêmement précise entre différents types de demandes d'accompagnement liés à différents types d'évolution, et les différents types d'accompagnement et de thérapie qui peuvent être proposés en lien à cela. Autrement dit, Wilber montre comment, dans différents aspects à différents niveaux d'évolution, eh bien, parfois, il peut être recommandé d'aller travailler plutôt sur des techniques analytiques ou des techniques de changement d'état de conscience, ou des techniques introspectives, ou des techniques corporelles, ou des techniques d'analyse de la relation, etc. etc. Un travail très vaste que nous prendrons le temps de développer l'année prochaine. On a donc vu dans cette première partie des grilles de lecture, des stades de développement, des types psychologiques. Et ces 3 outils forment, c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui, différentes structures de la subjectivité, ou autrement dit, différentes structures de l'expérience subjective. Je propose donc ces 3 outils comme des structures sous-jacentes à l'expérience subjective, mais des structures de nature différente les unes des autres. Les grilles de lecture sont plutôt interprétatives, les typifications psychologiques sont plutôt en lien avec la façon dont on fait expérience du monde, et les stades de développement sont plutôt en lien avec l'évolution de la façon dont nous faisons expérience du monde. Intérêt bonus. Les grilles de lecture
les typifications psychologiques et les connaissances des différents stades de développement, elles permettent au praticien de mieux se connaître lui-même, de mieux comprendre ses propres tendances, ses propres besoins, ses propres évitements, ses propres réactions. Et se comprenant lui-même, il peut mieux se différencier de son client sur lequel, inconsciemment, il projette les objets qu'il ne connaît pas de lui-même. C'est pour ça que j'avais fini, mais on ne le voit pas très bien, avec ce vieil adage « connais-toi toi-même ». Vous connaissez la suite. « Connais-toi toi-même ». J'ai changé un peu la suite pour dire « connais-toi toi-même et tu projetteras beaucoup moins ». Et je ne veux pas le dire de manière arrogante ni condescendante. C'est une proposition de travailler sur soi, que le praticien, que ce soit des pratiques hypnotiques ou d'autres pratiques, que le praticien travaille sur lui, non pas pour une démarche introspective sans fin, où on va essayer de comprendre, mais enfin, qui suis-je, de quoi je suis fait, etc. Ce n'est pas tellement l'enjeu, mais pour faire attention à qu'est-ce que je projette sans le vouloir sur le client, parce qu'il y a des aspects de moi que je n'ai pas vus. Dans d'autres disciplines, dans des disciplines psychothérapeutiques, il y a une autre façon de raconter cette même histoire qui est il y a besoin d'avoir fait une bonne analyse thérapeutique pour ne pas projeter son ombre sur le praticien. Voilà, c'est une autre sur le client, pardon. C'est une autre façon de raconter la même histoire. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc ça, c'était le gros morceau de ce deuxième cours. Et dans une deuxième partie, on va regarder comment distinguer l'expérience subjective elle-même, la façon dont on interprète cette expérience subjective et la façon dont se structure cette expérience subjective. La phénoménologie, l'herméneutique et le structuralisme. La première question, et je te remercie à nouveau Jean pour qu'on ait eu cet échange qui m'a été très utile pour ce cours. La première question c'est, mais finalement, dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'il veut le client? Il veut se comprendre lui-même ou il veut changer? Et quand j'avais eu cet échange avec Jean, on constatait que, de manière générale, le client veut plutôt changer, en fait. Il se trouve que le jour même, comme je suis aussi praticien, le soir, j'ai reçu une cliente que je n'avais pas vue depuis un an à peu près, parce que l'accompagnement était terminé, mais qui m'avait demandé de revenir pour une nouvelle thématique. Et elle m'a exposé cette thématique pendant un quart d'heure à peu près, et je lui ai demandé « Ok, j'entends cette thématique, mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta démarche de venir demander un accompagnement sur cette thématique ?» Et là, qu'est-ce qu'elle me répond? Je voudrais comprendre. Et je me suis dit, bon. Alors je lui ai dit, mais... Alors du coup, j'ai fait une projection, parce que j'étais en train de préparer ce cours. Je lui ai dit, mais... Tu veux comprendre ou tu veux changer? Elle me fait... Elle me fait, je veux comprendre parce que je ne voudrais pas changer sans avoir compris pourquoi il se passe ça. Et alors là, moi, en tant que praticien constructiviste, je me suis dit, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est la demande du client. Je ne veux pas changer sans avoir compris pourquoi je suis comme ça pour l'instant. Et qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Eh bien, c'est la question que je vais essayer de me poser avec vous ce soir. La demande du client, se comprendre ou changer? Et là, j'ai rajouté un « et » du coup. Se comprendre et ou changer? Se comprendre et changer? Se comprendre ou simplement changer? Eh bien, tout simplement, ma conclusion est que ça dépend de la thématique du client. En gros, ça dépend du client, quoi. S'il y a une demande particulière, comme je voudrais me comprendre, est-ce que j'accompagne cette demande ou est-ce que je recadre cette demande? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne sait pas, voilà. Et peut-être qu'il y a une action conjointe et une action contextuelle des deux, de la compréhension et de la transformation. Alors évidemment, on va le garder en question ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse à ces questions-là, mais j'invite les praticiens à se poser ces questions-là. Deuxième type de question sur la façon dont on peut se comprendre et la façon dont on peut se changer. Et la façon dont, dans un accompagnement, on peut demander à un praticien qu'il nous accompagne pour qu'on se comprenne ou qu'on puisse se transformer. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va vers des changements avec compréhension consciente ou est-ce qu'on va avec des changements qui sont strictement inconscients? Je suis allé voir ce praticien en hypnose, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai changé. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça avant, je ne sais pas pourquoi maintenant je ne suis plus comme j'étais, mais quelque chose a changé. Pourquoi pas? Là, on serait dans des changements de manière inconsciente. Et puis, de l'autre côté, on aurait des changements avec compréhension consciente. Je suis allé voir ce praticien... J'avais dit hypnose tout à l'heure? Donc, je suis allé voir ce praticien en hypnose, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça avant, et maintenant, eh bien, il y a deux possibilités.
je comprends pourquoi j'étais comme ça, mais ça n'a pas changé. Ou alors, je comprends pourquoi j'étais comme ça et ça a changé. Encore une fois, ça dépend de la demande du client. Qui suis-je, moi, en fait, pour dire au client, vous voulez changer ? On va bien recadrer ce truc-là. Vous voulez comprendre ? On va bien recadrer ce truc-là. Quelle responsabilité ? Et eh bien, on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur ces questions tout à l'heure. Pour l'instant, je veux juste ouvrir un peu le champ de la phénoménologie, l'herméneutique et le structuralisme avec ces questions ouvertes. La compréhension consciente en accompagnement, elle peut amener à différentes choses. Déjà, la compréhension consciente, la recherche de compréhension consciente, ça peut être une fuite. Ça peut être une bonne résistance d'un profil qui a un mental très fort et une hyper-rationalisation, qui veut changer, qui ne peut pas changer sans être accompagné et qui inconsciemment utilise comme système de défense « je veux comprendre ». Donc là, dans ce cas-là, on serait dans une bonne grosse fuite de l'accompagnement, on serait dans une très belle stratégie d'évitement, voire dans une résistance identitaire. Mais la compréhension consciente, elle peut aussi être un levier de changement. Vous avez dû le voir en cabinet, des fois, sans qu'on invite un client à essayer de comprendre quoi que ce soit, des fois simplement des recadrages ou des expériences de changement d'état de conscience, des expériences hypnotiques, même légères, font que parfois un client d'un seul coup dit « Ah, mais je comprends maintenant !» Alors, c'est d'autant plus surprenant qu'on voit qu'à la fois il accède à une forme de compréhension, mais en plus on a toute l'expression faciale de la surprise, de l'étonnement, et voire même des fois on a du bouleversement émotionnel très profond, avec des gens qui se mettent à pleurer, juste parce qu'on a posé une question de type « Mais vous préfériez que ça change bientôt ou que ça prenne son temps ?» Vous connaissez ce genre de double lien. Et des fois, ça percute quelque chose dans les structures de la personne qui crée une forme de compréhension. Là, on est un peu dans l'essence du recadrage et de ces corrélats émotionnels. Enfin, la recherche de compréhension consciente peut aussi être vue pour autonomiser le changement. Ici, il s'agirait d'accompagner une personne à comprendre comment elle structure un type de problématique, voire même d'où vient un type de problématique si c'est sa demande, avec toutes les précautions qu'on a dit dans le premier cours sur les risques d'introjection de grille de lecture. La compréhension consciente ici pourrait aider certains types de clients à, en dehors de l'accompagnement, mieux percevoir comment ils ont des types de réactions, des types de propositions au monde, des types de sélection de l'information qui contribuent aux problématiques sur lesquelles ils sont venus travailler. Claire ? Le deuxième point de vue, je l'ai déjà nommé plusieurs fois depuis le début de cette présentation, est-ce qu'on est dans une recherche causale ? Est-ce qu'on recherche les causes d'une problématique et d'une thématique ? Ou est-ce qu'on est dans une recherche structurelle ? Est-ce qu'on recherche les structures d'une thématique et d'une problématique. Et je vous proposais dans la première partie de ce cours, dans le début de ce cours, que en rejetant toute tentative d'introspection causale, on a peut-être en même temps rejeté toute tentative d'introspection structurelle. Ce qui amènerait des praticiens dans des postures un peu extrêmes à dire « il ne faut pas que le client comprenne, ce n'est pas bon pour son accompagnement, il faut que le changement soit à son insu ». Donc pourquoi pas, il faudrait argumenter pourquoi. Ici, on va simplement essayer de différencier recherche d'introspection causale d'introspection causale et recherche d'introspection structurelle. La première va plutôt s'adresser à du pourquoi. Ça peut être quelque chose qui est amené par le praticien ou ça peut être une demande qui est amenée par le client. Je voudrais comprendre pourquoi. Je voudrais comprendre la cause. Généralement, on s'en méfie à cause des faux souvenirs, à cause de la plasticité cérébrale, à cause de la plasticité de la mémoire. On sait que la mémoire, ce n'est pas super fiable. Et enfin, les recherches causales. Oui, parce que peut-être qu'à la fin, on aura compris le pourquoi du comment et qu'on n'aura pas changé pour autant. Ce qui nous ramène à quelle est la demande de l'individu. Du côté de l'introspection structurelle, on va plutôt chercher du comment. Et ça, généralement, les praticiens des techniques hypnotiques, c'est un de nos outils privilégiés, en fait, aller chercher du comment. Comment est-ce que la thématique, au présent, se structure ? Dans le constructivisme, vous le savez, on va prendre une grande distance vis-à-vis des recherches causales comme vecteur de changement. Et c'était ça le point de départ. Le point de départ qui amène à un constructivisme radical, c'est de dire la recherche causale, l'introspection causale, n'est pas nécessairement vecteur de changement. La limite, c'est qu'en se coupant de toute compréhension consciente, on coupe le client d'introspection structurelle. Et peut-être que le client, même s'il dit qu'il veut changer, peut-être qu'il est bien d'accord quand même pour comprendre quelles sont les structures dans lesquelles se développent des problématiques. Parce que peut-être qu'il y a d'autres problématiques et qu'en comprenant les structures qui sous-tendent différents types de problématiques, eh bien ça lui redonnerait un peu d'autonomie.
la limite d'une posture extrême qui voudrait nier toute démarche introspective du client, eh bien, ce serait de couper le client de l'introspection causale. Au contraire, permettre au client d'investiguer comment se sont construites les structures de sa subjectivité. Je vais pas trop vite, ça va ? Ok. Permettre au client d'investiguer comment se sont construites les structures de sa subjectivité, ça peut lui permettre de percevoir ses propres grilles, ses propres types et ses propres stades. Ça peut donc lui permettre de se désidentifier de ces structures qui, pour l'instant, lui sont totalement inconscientes. Et en s'en désidentifiant, ça peut permettre au client de s'autonomiser dans le changement au-delà de l'accompagnement. Et là, on en revient au « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers qui t'entoure. Je crois que c'était ça l'idée de départ. Pour l'univers tout entier, on verra. Oui. Alors, si je l'ai dit comme ça, c'est hâtif. Je vais reformuler ta question pour le micro. Donc, Adrien, tu demandes pourquoi est-ce qu'en privant la personne d'introspection causale, ça la prive d'introspection structurelle. C'est bien ça ? Alors, si je l'ai dit comme ça, c'était hâtif. Ce que je voulais dire, c'est que la tendance à dire « on ne s'intéresse pas au pourquoi » peut avoir comme effet que certains praticiens comprennent le client n'a pas à s'intéresser ni au pourquoi en tant que cause, ni au pourquoi en tant que structure. Le but, ce n'est pas que le client comprenne. Et s'il veut comprendre, on coupe. S'il veut comprendre, on coupe ce truc-là. Pas d'introspection ni causale ni structurelle. Et ce que j'ai voulu dire, je pense l'avoir dit comme ça, mais je me suis peut-être mal exprimé. Ce que j'ai voulu dire, c'est que à avoir voulu simplement couper des introspections causales, on en est arrivé à un effet pervers qui est couper toute introspection, ne plus permettre au client d'avoir un moment introspectif. Mais je caricature quand je dis ça. Et évidemment, je ne connais pas de praticien qui a 100% fait ça et dirait de manière autoritaire au client « Ah non, non, arrêtez d'essayer de comprendre. Il ne faut pas comprendre. » Mais parfois, c'est un peu présent. Pas à 100%, mais parfois, c'est un peu présent. Et chez certains, malheureusement, c'est beaucoup présent. Et si on va à certains endroits, c'est même des dogmes d'école, en fait, cette idée-là. On coupe l'introspection du client et on favorise du changement inconscient qu'on pose à son insu. Et là, on partirait dans toutes les logiques un peu bandeleur, reprogrammation du client par le praticien, etc. Il y a des protocoles qui existent quand même pour ça, qui sont rixoniens. Il y a des protocoles qui existent pour ça, qui sont rixoniens. Pour ça quoi, Grégory ? Pour justement travailler hors conscience. Oui, oui, bien sûr. Il y a des... Oui, alors je reformule encore pour le micro. Il y a des protocoles, d'école ericksonienne qui proposent ça, de travailler, de créer du changement à l'insu du client, inconscient chez le client. Le client ne sait pas pourquoi quelque chose a changé. Mais il n'y a pas que des protocoles ericksoniens qui font ça. En fait, toutes les traditions du monde ont trouvé des techniques hypnotiques pour créer ce truc-là. Je n'ai pas dit à un seul moment dans ce cours « il ne faut pas faire cela ». J'expose quelques points de vue qui montrent comment une utilisation extrême de cela et surtout une utilisation exclusive de cela, c'est-à-dire n'utiliser que cela, peut ne pas répondre à certaines demandes des clients. Autrement dit, je vais le dire beaucoup plus simplement, hein, si on fait de ces types de techniques qui sont géniales, des techniques hypnotiques qui créent du changement sans que personne ait vu pourquoi, si on crée de ces techniques un dogme, eh bien, on devient un praticien dogmatique qui va dire... C'est ça qu'il faut utiliser, et ça s'appelle de la position haute. Je sais pour l'autre ce qui est bon pour lui. C'est ça que je vais utiliser pour lui. Et s'il demande de comprendre, on va bien lui recadrer sa demande de compréhension. Encore une fois, j'exagère un peu. Je fais quelque chose d'un petit peu exagéré pour qu'on se prévienne de postures un peu extrêmes et dogmatiques. Plus clair comme ça ? Mais c'est une grosse responsabilité pour moi de faire ça, parce que tout le monde peut venir me taper sur les doigts à partir du propos que je tiens ce soir. Maintenant, ces structures, d'où viennent-elles ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là peut-être qu'on a un intérêt à une introspection structurelle pour le client. Une introspection structurelle, que ce soit celle que fait le praticien et qu'il garde pour lui, ou que ce soit celle que fait le client et qu'il va amener dans le champ de la relation d'accompagnement, cette introspection structurelle,
elle peut nous permettre d'identifier les caractères spécifiques des champs introjectés, des figures introjectées, des structures introjectées, des champs dans lesquels se sont construits les structures de la subjectivité, ça c'est ce qu'on va beaucoup utiliser quand on fait des régressions par exemple, et enfin de la perception qu'a le client des rôles qu'il joue et des rôles qu'il croit être joués par autrui, et comment il se met en relation avec cela. Pour résumer cette idée-là, l'introspection structurelle va permettre aux clients et aux praticiens, ensemble, en relation, de repérer différents introjects, différents types de constructions et différents types de perceptions de jeux de rôle. Et cela, pour certains accompagnements, peut favoriser à nouveau une autonomie au-delà de l'accompagnement. Parce que le client, et c'est là que ça diverge de ce que tu proposais, Grégory, parce que le client n'a pas changé à son insu, il a changé et vu certaines choses à propos de lui, mais pas en tant que cause du pourquoi, du comment de son histoire. Il a pu percevoir des structures qui appartiennent à sa thématique, et il y a des chances que ces structures, elles touchent à d'autres thématiques. Et là, ça va commencer à ouvrir une forme de connaissance de soi qui va favoriser l'évolution du client. Autrement dit, s'il y a des structures qui... S'il y a des structures qui brident l'évolution du client et que les clients amènent cela à propos d'une thématique, en faisant un éclairage structurel sur la thématique qu'il est venu travailler, alors cet éclairage structurel va permettre au client de pouvoir reprendre son évolution dans le temps. Et je pourrais même le dire de manière un petit peu plus exagérée. Finalement, en fait, on travaille sur le symptôme, sur la thématique que le client a amenée, ou on travaille sur la structure. Et la structure, on la change de manière inconsciente ou on la met en lumière pour qu'il gagne de l'autonomie. Et moi, encore une fois, je n'ai pas de réponse sur ça. Moi, j'essaye d'amener un maximum de questions pour qu'on puisse avoir de plus en plus d'adaptabilité. Ces points de vue que je soulève ici ne sont pas nouveaux. Ce sont les points de vue qu'a développé Jung dans la deuxième moitié de sa carrière en développant le concept de processus d'individuation. Je vous ai résumé ici en deux lignes. C'est fou de résumer l'individuation en deux lignes. Dans un premier temps, repérer les structures introjectées et attribuées à du « je ». Et dans un deuxième temps, se désidentifier des structures qui ont été introjectées et pouvoir dire « voilà ce que je souhaiterais devenir maintenant dans ma vie ». Reprendre de l'autonomie, me désidentifier de ce à quoi je me suis identifié, des projets qu'on a pu avoir pour moi et auxquels j'ai adhéré pour développer quelque chose qui soit fait de plus d'individuation, de liberté, d'autonomie et d'évolution. Clair ? Donc, c'est un petit plaidoyer pour l'introspection structurelle. Encore une fois, pas pour dire voilà ce qu'il faudrait faire en accompagnement, mais pour dire voilà ce qu'on pourrait faire en accompagnement si la demande du client est adaptée à ce type de démarche. Alors, en préparant tous ces points de vue, j'ai distingué deux types de structures de la subjectivité. Un type de structures qui sont plutôt opératives, donc qui vont opérer, et un type de structures qui sont plutôt relatives à je, relatives à ce qui s'auto-identifie. Donc, dans la première ligne, dans les structures opératives, eh bien, c'est celles qui vont être moteurs de l'action, et elles vont correspondre au faire. Dans cette dualité qu'on a parfois en accompagnement, est-ce qu'on accompagne l'être ou est-ce qu'on accompagne le faire ? Plutôt les moteurs d'action, plutôt du faire. Elles répondent à différents contenus, la question du quoi, quel comportement, quel conditionnement, quel rapport au monde, quel contexte, la question du comment, quels sont les mécanismes, quelles sont les fonctions, qu'est-ce qui se passe sur les fonctions volitionnelles, la question du pourquoi, quels sont les buts, quelle est la finalité de l'action, quels sont les besoins qui cherchent à être comblés par l'action, quels sont les évitements qui sont évités par l'action, je ne sais pas comment le dire autrement. Des structures qui sont opératives. Et un deuxième type de structure, des structures qui sont relatives à « je ». Donc ici, on n'est plus dans du moteur, mais on est plutôt dans du sujet. On n'est plus dans du faire, mais on est plutôt dans de l'être. Et au niveau des contenus, eh bien, ça va répondre plutôt à la question « qui », donc à l'identité, à l'identification, à qu'est-ce qui est agent, à l'éventuelle composition de ce qui est agent, aux sous-personnalités, à la définition de soi par différenciation d'autrui, etc. Et ça va à nouveau répondre à la question « comment ?». Mais ce n'est pas le même comment. Ça va répondre à la question comment en allant regarder quelles sont les structures héritées, quelles sont les structures qui sont acquises par l'individu et quels sont les différents niveaux de développement de l'individu. Et vous voyez, dans des structures opératives ou dans des structures relatives à je,
eh bien, on a deux commands qui s'adressent à deux types de contenus différents. Du côté opératif, un command qui s'intéresse aux mécanismes, aux fonctions, aux aspects volitionnels. Eh bien là, nous sommes plutôt dans les techniques behavioristes et dans les techniques constructivistes. Et dans les structures qui sont relatives à « je », un comment qui s'intéresse aux structures héritées et acquises et au niveau de développement auquel l'individu va s'auto-identifier. Et ici, nous sommes dans un autre paradigme qui n'est pas behavioriste et constructiviste et pour lequel, pour l'instant, il n'existe pas d'adjectif qualificatif, à ma connaissance. Des fois, entre nous, en équipe, on dit « identitaire », mais je ne pense pas qu'on va aller vers ce mot-là, quand même. Alors, je vous le dis pour la... Je vous le dis pour que ça retourne encore un peu plus le crâne, que ça n'est déjà le cas. Quand on préparait ce cours, Clément et moi, on a regardé l'ébauche de ce tableau et on se disait, en fait, il y a un niveau qui est le constructeur et il y a un niveau qui est la construction. Vous voyez ? On pourrait dire, en haut, il y a la construction et en bas, il y a le constructeur. Clément me faisait remarquer à juste titre, il me disait, mais on pourrait le voir dans l'autre sens. On pourrait dire que en haut, ce qui est opératif, c'est le constructeur, c'est ce qui construit, et que en bas, ce qui dit c'est moi, bah, c'est la construction, c'est le résultat. Est-ce que ce qui dit c'est moi est le résultat d'un constructeur opératif fait de tous ces contenus-là? Voilà, je vous laisse méditer sur la question. Je pense que je couperai ça, parce que ça va faire, sur la vidéo, parce que ça va faire trop quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Lucie? Non, il faut jamais couper ça. Faut pas couper ça? Ok. Bon, bah alors, on va le laisser. On est toujours dans ces questions de phénoménologie, l'expérience, d'herméneutique, de ce qui se passe dans l'interprétation et de structuralisme. Comment se structure l'expérience? Un point important en accompagnement, distinguer l'expérience de l'interprétation. Ça peut paraître très trivial quand on le dit comme ça, ça peut paraître un peu bête. Mais parfois, on se mélange les pinceaux entre les deux. Distinguer la phénoménologie, c'est l'expérience, de l'interprétation, c'est tout l'aspect herméneutique. Par exemple, distinguer un comportement de son interprétation causale. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, un client qui dirait « Oui, je suis comme ça, et d'ailleurs, bon, mon père était comme ça, et mon grand-père était comme ça aussi. » Eh bien là, le client vient en une phrase d'exposer un comportement et une explication causale de nature biographique et familiale. Et les deux sont, pour lui, complètement fusionnés. Il ne distingue pas l'expérience de l'interprétation. Deuxième exemple, distinguer l'expérience d'hypnose d'une interprétation paradigmatique. Je suis désolé pour ce terme. Mais voilà. Le type de paradigme qu'on va utiliser pour interpréter. Alors, je vous donne un exemple. Une interprétation avec un paradigme religieux, ce serait par exemple « Oh, dans cette expérience d'hypnose, je n'étais plus dans mon corps que je voyais de l'extérieur et il y avait une lumière avec de grandes ailes qui me parlait. C'est donc qu'il y a une âme qui sort du corps et que les anges existent. » Et vous voyez, dans cela, il y a eu une expérience, il y a eu un lien logique et une interprétation. Et parfois, on voit des clients qui mélangent, en fait, en sortant d'une expérience d'hypnose, eh bien, ils vont mélanger l'expérience qu'ils viennent de faire et l'interprétation. Mais on voit aussi des praticiens qui mélangent expérience et interprétation. Et plus embêtant, on voit des écoles qui mélangent expérience et interprétation. Et je ne vais pas aller plus loin sur ce point. Voilà. Distinguer l'expérience de l'interprétation. Ça nous paraît vraiment important pour éviter de faire des dommages. Surtout quand on sort d'une expérience d'hypnose dans laquelle on est très suggestible, c'est là qu'on peut favoriser des introjections de grilles de lecture. L'herméneutique, alors j'avais présenté l'herméneutique, j'avais fait un chapitre dans le cours sur Henri Corbin dans le module Vers une imagination agente. J'avais fait un chapitre sur Introduction à l'herméneutique. Donc je vous renvoie à ce chapitre si vous voulez en savoir un peu plus. Brièvement, l'herméneutique, c'est ce qui nous permet d'interpréter, mais c'est surtout ce qui nous permet de comprendre comment on interprète. Qu'est-ce qui fait que j'interprète de cette façon-là? Eh bien, ce qui répond à la question « qu'est-ce qui fait que j'interprète de cette façon-là » c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. Claire? Ok. La dimension herméneutique dans l'accompagnement va nous permettre d'identifier comment le client interprète son expérience. Sur quelle structure de base il s'appuie pour interpréter son expérience comme ça. Je vous prends un exemple. Un client qui viendrait nous dire
j'ai du mal à dormir la nuit. Et puis, il y a du bruit dans mon appartement. Et je crois qu'en fait, interprétation, je crois qu'en fait, je ne me sens pas bien dans cet appartement. OK ? Expérience, interprétation, il a une façon d'interpréter. Prenons un client qui viendrait avec la même expérience et une interprétation différente. J'ai du mal à dormir la nuit. Je ne me sens pas bien dans mon appartement. Je crois qu'il y a des ondes négatives dans cet appartement. Je crois qu'il faut le purifier, cet appartement. Sur quelle base un client avec une thématique donnée a une interprétation particulière qui va nous ouvrir sur ses grilles de lecture? Et la réponse à cette question, c'est l'herméneutique. Comment le client interprète son expérience en lien avec une grille de lecture particulière? Et là, ça devient vraiment intéressant d'avoir pris le temps de distinguer des grilles de lecture, des tics, des types psychologiques qui évoluent dans le temps, dans une évolution par stade de développement. Parce que quand on les regarde, ces stades de développement au départ, quand on regarde ces stades de développement au détail, on voit bien qu'ils conditionnent les grilles de lecture particulières. Si on est dans une dimension herméneutique, on peut aller questionner le comment. Ici, le comment est-ce que vous faites un lien causal d'éventuellement ondes négatives ou d'éventuellement besoin de déménagement avec le fait que, à la base, vous dites que vous dormez mal la nuit. Comment est-ce que vous faites le lien de cause à effet ou d'effet à cause? Comment est-ce que vous faites le lien de cause à effet? Et on pourrait se demander en tant que praticien, tiens, c'est étrange, ce client, lui, il décrit ce truc-là et il interprète cette expérience de cette manière-là. Eh bien, ce chemin-là, c'est la dimension herméneutique. Alors, l'enjeu ici, dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas de mettre à tout prix des mots compliqués sur des expériences simples. C'est de pouvoir distinguer les choses les unes des autres. Ici, en l'occurrence, la dimension herméneutique, elle va nous permettre, si on arrive à la distinguer du reste, elle va nous permettre d'identifier les structures de la subjectivité, notamment des croyances, notamment les grilles de lecture, les types psychologiques eux-mêmes et les stades de développement. C'est donc une dimension importante, on pourrait le dire autrement. S'intéresser à comment le client interprète sa propre expérience nous fait apparaître les structures fondamentales de sa subjectivité. Est-ce que c'est clair quand je le dis comme ça? Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que ça pourrait paraître trivial? Parce que souvent nous confondons herméneutique, phénoménologie et structuralisme. Pour le dire de manière simple, je crois que je l'ai déjà dit, l'aspect phénoménologique, c'est l'expérience telle qu'elle. Certes, elle est décrite par un individu et sa description est conditionnée. Ok, c'est vrai. Mais la phénoménologie, c'est l'expérience telle qu'il vit cette expérience. L'herméneutique, c'est comment il interprète cette expérience. Et on peut distinguer l'un de l'autre. Et enfin, le structuralisme, c'est comment se structure l'expérience de l'individu, qu'il l'interprète ou pas, comment se structure l'expérience. Et c'est ce qui nous amène à avoir trois dimensions différentes les unes des autres dans l'accompagnement. Travailler avec les structures de la subjectivité du client, travailler avec l'expérience subjective du client et travailler avec l'interprétation que le client fait de son expérience subjective. Et vous voyez, ce n'est pas si simple que ça de séparer les unes des autres. Alors, une fois qu'on a un triptyque comme ça, nous, dans notre équipe, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce triptyque-là. Une fois qu'on a un triptyque comme ça, structuralisme, herméneutique, phénoménologie, ou structure du client, interprétation du client, expérience du client, on peut commencer à voir tout un ensemble de liens et travailler sur différentes jonctions entre 2 de ces 3 aspects. Alors, je vous donne un exemple. Je ne l'ai pas mis sur un slide parce que je ne voulais pas faire une slide trop compliquée sur ça. Par exemple, l'interprétation de l'expérience du client est conditionnée par les structures du client. Vous êtes d'accord? OK. Mais les structures du client se définissent et se limitent par l'interprétation qu'il a de son expérience. Donc là, on a un double système d'autoconditionnement. Autrement dit, on a un très beau système limitant qu'on peut questionner en questionnant les structures du client et la façon dont il interprète son expérience subjective. On va en faire un deuxième sur phénoménologie et herméneutique. L'interprétation que le client a de son expérience conditionne son expérience. Par exemple, s'il se dit « je suis nul et je le serai toujours », c'est une interprétation. Hein. Ce n'est pas l'expérience elle-même, c'est une interprétation. En plus, c'est une prédiction du futur « je le serai toujours ». Il n'y a pas plus interprétation que ça. Eh bien, ça va conditionner l'expérience elle-même. Il va certainement la vérifier, en fait, cette croyance. Pourquoi? Parce que cette croyance, elle vient d'une structure fondamentale qui est identitaire. Là, on est en train de faire marcher les 3 ensemble.
sur phénoménologie et structuralisme, les structures de la subjectivité du client, notamment son type psychologique, va fortement conditionner son expérience. Et cette expérience étant conditionnée, il va l'interpréter d'une certaine manière qui va renforcer la structure et qui va conditionner l'expérience. Et vous pouvez les faire tourner les uns avec les autres. Si ce schéma vous parle... Parce que je suis conscient que je donne beaucoup, beaucoup de choses en fait en hypnologie et qu'à force de montrer des schémas, etc., ça peut être un peu trop. Mais si ce schéma vous parle, je vous invite vraiment à le reprendre et à prendre juste quelques cas que vous avez, notamment les cas sur lesquels il y a des difficultés. Ou pour ceux qui sont dans des trucs de supervision de groupe, etc., ou d'intervision, vous pouvez regarder, tiens, si je différencie l'expérience du client, l'interprétation qu'il fait de son expérience, les structures de sa subjectivité en grille de lecture, type psychologique, stade de développement, là, vous avez un sacré outil entre les mains. Si je regarde ce qui se passe dans l'accompagnement avec ces outils-là, qu'est-ce que je peux voir que je ne voyais pas? Et peut-être que vous allez voir, ah ok, même moi, le praticien, je me suis fait avoir. L'expérience et l'interprétation sont complètement fusionnées, et je me suis fait emmener dans ce truc-là. Et là, il y a peut-être quelque chose à recadrer pour qu'il apprenne à voir qu'il surinterprète son expérience tout le temps. Il se passe beaucoup de choses dans un accompagnement. Il se passe beaucoup de choses dans une séance. On n'a pas toujours le temps de voir en fait tout ce qui se passe. Parfois, on a peut-être besoin, pour certains cas, de prendre un peu de recul et de regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, on est sur une approche assez mentale de l'accompagnement. Ça n'invalide pas le fait qu'il y a aussi la part du contre-transfert, donc de la somatisation, la part de ce qui se passe dans la relation d'accompagnement, et puis aussi la part d'inexplicable et de magique aussi dans l'hypnose. Le fait que des fois, on n'a pas besoin de tous ces trucs qui sont très compliqués pour que juste, des fois, on est juste dans la transe de quelqu'un avec lui, on l'accompagne en respirant, et ça change. C'est vrai aussi. Je ne dis pas que tout ne fonctionne qu'avec ça. Ce type d'outil peut nous mettre un petit peu de lumière pour... comprendre ce qui se passe pour le client, comprendre ce qui se passe pour la relation entre moi, le praticien, et le client, à ces différents niveaux qu'on a pu distinguer les uns des autres. Claire ? Oh, ok. Ce qui m'amène à la conclusion de ce premier cours, et puis après je fais une conclusion générale des deux cours. Je pense que je vais répéter beaucoup ce soir. Toute la question, c'est d'adapter l'accompagnement à l'accompagné. Et c'est une grande question de responsabilité. Comment est-ce que dans l'accompagnement, il y a une co-responsabilité du praticien et du client? On entend parfois des choses comme « le client est 100% responsable de son changement ». Mais alors, quelle est la responsabilité du praticien? Dans ce cas-là, ça veut dire que le praticien a zéro responsabilité dans le changement. Soyons sérieux, ce n'est pas possible que ce soit aussi extrême que ça. Est-ce que le praticien, au contraire, est 100% responsable de l'accompagnement? Bah, non plus. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, dans cette co-responsabilité partagée? C'est une question qu'on pourrait se poser. Je vous donne un exemple concret. Qui détermine la fin de l'accompagnement? Qui détermine l'accompagnement est terminé? Si le client dit... maintenant, je pense que l'accompagnement est terminé. Pourquoi est-ce qu'on répondrait « oui, ok, bah, vous l'avez décidé, donc on arrête là » Et pourquoi est-ce qu'on répondrait « non, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut encore 2 séances, 4 séances. » Sur quoi on se base pour travailler avec le client sur la détermination de l'arrêt de l'accompagnement, sur l'évolution de l'accompagnement, sur la fin de l'accompagnement? Et si le praticien dit « maintenant, on va arrêter » et que le client, comme je vous le disais juste avant, dit « non, 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 on n'arrête pas », qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Enfin, évidemment, ça ouvrira une grande, grande discussion sur la responsabilité, sur le transfert, sur la position haute, la position basse, etc. Le recadrage constructiviste, lui, il propose de recadrer des structures de la subjectivité. Mais là aussi, il y a une grande responsabilité. Recadrer lesquelles? Quelle structure je recadre et quelle structure je ne recadre pas? Si moi, praticien, je décide de recadrer quelque chose, alors que je suis censé être en position basse et pas savoir pour l'autre, qu'est-ce que je recadre? Et surtout, selon quels critères je recadre quelque chose? Où sont les critères qui m'ont permis de déterminer que dans cet accompagnement, dans cette première séance, j'allais recadrer ce truc-là que moi, j'ai décidé comme étant une croyance limitante du client pour la thématique du client? Bonne question, non? Ben, je n'ai pas amené la réponse, figurez-vous. Et la demande consciente du client, le fait que le client il vient auto-identifier à sa problématique, nous, on sait qu'en dessous, il y a d'autres petites sous-parties qui sont beaucoup moins conscientes que celle-là. La demande consciente du client, qu'est-ce qu'on en fait? On l'accompagne ou on la recadre?
Et si la demande du client est elle-même, en fait, la problématique de base, le fait qu'il veut faire quelque chose qu'en fait, il ne fera jamais. Mais il le veut à tout prix. Est-ce que je recadre ça? Est-ce que j'accompagne ça? Comment est-ce que je discerne cela? Et c'est pour ça, vous le savez, qu'on a des outils comme la détermination d'objectifs, comme l'anamnèse, comme, je ne l'ai pas noté ici, mais comme reposer la même question, on pratique comme ça aussi à l'Arche, reposer la même question au client quand on a décalé ne serait-ce qu'un peu l'état de conscience. Est-ce qu'il nous donne encore la même réponse? Si ne serait-ce qu'on lui demande une question comme « Et maintenant qu'il y a cet état de conscience qui est changé, mais en fait, pourquoi est-ce que vous êtes venu en vrai ?» Et souvent, ce n'est plus la même réponse. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'en fait, il n'y a aucune solution, qu'est-ce que vous en pensez maintenant dans cet état d'hypnose léger? Et parfois, ce n'est plus la même réponse. Donc là, on voit des variations d'état de conscience qui font que la demande, du coup, consciente du client a elle-même des modulations. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on accompagne ça ou est-ce qu'on recadre ça? Les grilles de lecture du client, elles aussi, elles sont remises dans la responsabilité du praticien. Est-ce qu'on intègre les grilles de lecture du client ou est-ce qu'on les recadre? Et sur quels critères? Si un client nous dit, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, je me sens mal dans mon appartement, il y a des ondes négatives. Mais d'ailleurs, je me sens mal à Paris parce qu'il y a des ondes négatives à cause du Wi-Fi partout. Et d'ailleurs, je me sens mal partout parce qu'il y a des ondes négatives partout sur la planète, parce que collectivement, dans le truc akashique, il y a des ondes négatives partout. Et du coup, c'est normal que je me sente mal. Qu'est-ce que je fais de cette grille de lecture du client? De quel droit est-ce que je la recadrerai? Peut-être qu'il en a besoin à un niveau identitaire. Si vous regardez le travail de Ken Wilber sur différents niveaux de développement, il faudrait peut-être mieux pas y toucher. Mais à l'inverse, on pourrait penser que manifestement, cette grille de lecture, elle est, je vais mettre le mot, elle est pathogène et que c'est ça qu'il faut recadrer. Sur quels critères on se base pour intégrer la grille de lecture du client ou pour la modifier? La question reste ouverte. Mais on peut aussi utiliser les grilles de lecture du client pour favoriser du changement et favoriser de l'évolution. Par exemple, un bon exorciste avec un client animiste, ça marche toujours très bien, c'est très efficace. Hein. Mais les grilles de lecture, il n'y a pas que des grilles de lecture chez le client, il y a aussi des grilles de lecture chez le praticien. Et le praticien, au fur et à mesure qu'il étudie, par exemple s'il vient à des cours d'hypnologie, s'il lit des livres, ou s'il regarde des conférences sur Internet, ou s'il va se former à une nouvelle technique, bah, il va acquérir une grille de lecture nouvelle. Je pense que ça concerne pas mal d'entre vous. Ouais. OK. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a, trois phases. On a intégré ça un peu au dernier moment sur ce cours. Il y a trois phases d'acquisition des grilles de lecture pour un praticien. La première phase, il ne connaît pas la grille de lecture, donc il ne la voit pas. Voire même quand on lui en parle, il dit « Oh, ce truc-là, non. » Ensuite, il y a la première phase, il acquiert la grille de lecture et l'expérimente. La deuxième phase, il prend du recul sur cette grille de lecture. La troisième phase, il l'a intégrée et il l'utilise au cas par cas. Alors, je vous les détaille un petit peu. La première phase, intégration-expérimentation, on va faire sien la nouvelle grille de lecture et on va la trouver extrêmement pertinente, d'une part, et d'autre part, elle va devenir saillante. C'est-à-dire qu'on va la voir apparaître partout. Et on va commencer à dire à nos amis praticiens « Oh mon Dieu, cette nouvelle grille de lecture que je viens d'étudier, elle est partout chez les clients. » Et j'ai très envie de l'introjecter et de leur dire que c'est ça la cause du truc. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand on est dans une phase d'acquisition et d'expérimentation, on peut devenir un petit peu dogmatique et rajouter pour nos amis praticiens « Et d'ailleurs, toi aussi, tu devrais l'étudier cette grille parce que c'est la seule qui est la bonne. » Vous voyez? Ah, ça parle à beaucoup de gens dans la salle. Ça, c'est une phase d'acquisition et d'expérimentation. La deuxième phase, ça va être d'une phase d'expérimentation qui va faire prendre du recul. On va découvrir en accompagnement que, tiens ça alors, il y a plein d'endroits où cette grille, elle ne marche pas en fait. Elle est invalide, elle ne concerne pas ce client. Et quand on essaye de l'utiliser quand même, le client, il fait « Non, je ne vois pas du tout de quoi vous me parlez. » Et là, on fait « Ok, c'était une hypothèse, je vais réessayer. On va parler d'autre chose. » Voilà, et là, on voit qu'on avait fait une énorme projection. Mais ça arrive, soyons honnêtes, ça arrive. À ce moment-là, la grille de lecture paraît invalide par moment. Et généralement, le praticien va passer dans un autre extrême, là où il était un peu dogmatique. Il va commencer à dire « Oh non, en fait, cette grille de lecture, finalement, elle n'est pas bonne, elle ne fonctionne pas. » Il va avoir tendance à rejeter un peu la grille de lecture. Donc, vous voyez, phase 1, on va avoir tendance à être dogmatique et à vouloir qu'elle marche partout parce qu'on la voit marcher souvent. Phase 2, on va avoir tendance à dire « Ah non, en fait, elle n'est pas bonne. » Alors souvent, hein, quand on a une nouvelle grille de lecture en phase 1, la grille de lecture précédente passe en phase 2, hein, à tous les coups. Hein. Là, avant, j'étais dans le truc chakra, je le voyais partout, mais alors maintenant que j'ai découvert
les stades de développement de la psychanalyse. Non, mais les chakras, en fait, c'est vraiment... Mais ça ne va pas du tout, cette histoire. En fait, c'est très dangereux. Vous voyez comment on peut passer d'un dogme à l'autre comme ça? Ah, c'est marrant. Alors, je vais le dire pour la caméra. Là, ça parle à plein de gens dans la salle. Intéressant. Donc, la phase 2, c'est une phase de recul où on peut avoir une tendance au rejet de la grille de lecture elle-même. Et la phase 3, c'est la maturité. La grille de lecture apparaît comme valide de manière contextuelle selon certains types de clients et certains types de thématiques. Et là, on arrive dans une tendance à la souplesse et la polyvalence. Et on commence à avoir plein d'outils, plein de grilles de lecture, plein de façons de pouvoir calibrer le client, plein de façons de pouvoir comprendre de manière structurelle ce qui se passe pour le client, plein de façons de pouvoir se mettre en relation avec le client. Et on va commencer à pouvoir prendre le temps avec un client, d'essayer de comprendre au mieux quel type d'accompagnement je pourrais amener pour ce type de client avec ce type de thématique. Donc la conclusion de ce deuxième cours, excusez-moi, c'est donc la conclusion de ce deuxième cours, utiliser différents types d'outils en fonction de l'accompagné, évidemment. Et je crois que, en tout cas pour ce qui est de cette école ici, l'Arche, c'est ce qu'on essaye de dire depuis le début. S'adapter à l'accompagné, se synchroniser avec l'accompagné. Mais peut-être que le mot synchronisation, quand on voit un cours comme ça, peut-être qu'on peut se rendre compte que c'est beaucoup plus vaste que simplement respirer avec quelqu'un et singer sa posture. J'exagère encore un peu. Mais la synchronisation, ça peut aller très très loin en fait. Bien sûr, il y a la synchronisation strictement physique, posturale, somatique, la synchronisation des trans, mais aussi rentrer de manière fine dans les structures de la subjectivité d'un accompagnement, ça peut amener à des types de synchronisation qui peuvent éventuellement être vecteurs de changement, d'évolution, voire être vecteurs de transformation ou d'avoir un vecteur curatif sur certains types d'accompagnés. Donc, les grilles de lecture. Les types psychologiques, les stades de développement, ça forme une unité structurelle. Et cette unité structurelle, c'est le client. Et dans cette unité structurelle, le client, il vient avec une thématique, une problématique particulière, contextuelle, sur laquelle il vient travailler. Et il s'agit donc pour nous, praticiens, d'accompagner un individu en soi, un individu qui est complexe, d'accompagner une thématique particulière de l'individu ou toute son identité si c'est sa demande, et d'accompagner le processus d'évolution lui-même qui n'appartient finalement à aucune thématique et qui n'appartient finalement à aucun individu. Le fait que quelque chose est en évolution. Et je crois que c'est à nouveau quelque chose qu'on essaye, c'est un message qu'on essaye de passer ici à l'Arche, remettre du mouvement dans quelque chose qui s'était figé. Et bien ce quelque chose qui peut-être s'était figé, ici ce soir nous l'avons vu en long et en large sous bien des aspects. Grille de lecture, stade de développement, type psychologique, éventuel, phénoménologie, herméneutique, structuralisme. Et en fonction de la thématique du client et des structures du client, le praticien, il va pouvoir adapter son accompagnement de manière précise, de manière fine, de manière professionnelle, quoi, via les différents outils qu'il connaît et qui sont complémentaires. Est-ce que c'est clair? Donc, c'était ma conclusion pour ce deuxième cours et ma conclusion générale pour les deux cours, où on a vu l'évolution de l'école de Palo Alto, l'émergence du constructivisme, l'influence de Milton Erickson sur l'école de Palo Alto et sur le constructivisme de Paul Watzlawick, von Glaserfeld, etc. Et une question, en fait, est-ce que ce constructivisme un peu radical dans les années 80, est-ce que ça ne mériterait pas qu'on le modère un petit peu maintenant à l'aube des années 2020? Et dans le deuxième cours, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, distinguer les grilles de lecture, les types psychologiques et les stades de développement, et distinguer les dimensions herméneutiques, phénoménologiques et structuralistes de l'accompagnement pour adapter l'accompagnement à l'accompagné. C'est ce qu'on a vu pendant ces deux cours, et ma conclusion, c'est que l'approche constructiviste, ça a été à un moment une étape très importante dans l'évolution de la psychothérapie et dans l'évolution de l'accompagnement de l'individu. Mais elle demande un petit peu de souplesse, cette approche constructiviste, pour qu'elle ne soit pas utilisée de manière dogmatique, autrement dit, pour qu'elle n'exclue pas les approches non constructivistes. Enfin, elle permet aux praticiens de s'adapter aux clients et elle permet aux praticiens de réduire les projections qu'il fait vers le client. Aujourd'hui, là où nous en sommes, on est en train de prendre un peu de recul sur ce constructivisme parce qu'on est en train de se rendre compte que lui-même peut être une grille de lecture. Et on a vu les limites des différentes grilles de lecture. On est donc en train de s'approcher d'approches transversales. Je le disais tout à l'heure, elles sont transparadigmatiques. Ça devient très compliqué au niveau sémantique si on dit comme ça.
On est donc en train d'aller vers des approches transversales pour avoir des approches qui sont de plus en plus adaptables à l'accompagner. Et on voit que dans ces approches transversales, je dis on va de plus en plus vers des approches transversales, mais c'est tout le champ de l'accompagnement qui va de plus en plus vers des approches transversales. Et on voit que dans cette évolution vers des approches transversales, émergent de plus en plus les différentes approches hypnotiques. Voilà, c'était ma conclusion pour ces deux cours. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous propose qu'on prenne un temps maintenant pour les questions, remarques et révoltes que ça aurait pu soulever.